Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais faire une carte hein, parce que c'est bientôt la fête des mères. Bon, quand vous verrez la vidéo, elle l'aura déjà reçue, hein. Donc je vais faire une petite carte pour ma maman. Donc j'ai pris un papier de fond, vous savez, d'un bloc aquarelle de chez Action, là. Alors ma carte fait, c'est une carte double, presque 15 sur 21. Donc j'ai décidé, je vais mettre un papier rose déjà avant mon papier un motif. Donc je vais mettre ça comme ça. Voilà. Je vais coller. Alors j'ai sélectionné plein de petits trucs là. Je sais pas si je mettrai tout, mais bon, on verra bien. Hein. C'est suivant comment que ça va aller. Donc, par contre, vous n'êtes pas bien. Voilà. Donc, je vais coller. Dans les coins, donc je vais reculer un peu tout ça. Donc là, je vais mettre, essayer de mettre ça droit quand même. Voilà. Donc après, j'ai décidé de mettre un bout de papier comme ça. Vert. Alors donc ça, ces papiers que j'ai pris là, je les ai pris dans ce bloc-là. Je vais vous montrer. Dans ce bloc de chez Stamperia. Voilà. Je mets bien les fleurs. Donc je dis tiens, je vais mettre des fleurs sur ma carte. Donc je vais coller celui-là. Celui-là, il va aller là. Oui, c'est ça. Je vais le mettre là, lui. Et donc celui-là, il va aller là. Donc voilà. Voilà, donc ça fait déjà ça. Donc je vais peut-être mettre un bout de dentelle. J'ai sorti cette dentelle-là. Il y a longtemps que je l'ai acheté. Je l'ai acheté chez Scrap Influence. Donc j'ai envie de mettre un bout de dentelle là. Mettre ça là, comme ça. Pour que mon verre, on le voit en dessous, comme ça. Ce serait pas mal. Par contre, il va falloir que je coupe ça droit, c'est autre chose. Est-ce que je le mets au bord? Oula. Oh, je vais peut-être le mettre au bord, mais ça je peux le recouper après. Voilà, ça je pourrais le recouper après. Donc là, je vais mettre. Je sais pas si ça va coller avec ça. Un petit peu de colle
Là, ce bord, elle est blanche, transparente. Peut-être que ça ne se verra pas. Puis là, je vais en mettre là. Mettre là aussi. Donc après, au milieu, je vais peut-être mettre de celle-là. Comme ça. Voilà. Bon, je la couperai quand elle sera bien sèche parce que j'ai peur que... Après, ça va mal couper. Voilà. Donc là déjà, ma dentelle. Après, je vais mettre des cœurs. Hein. Des cœurs pour ma maman. Hein. Je vais mettre des cœurs. Donc alors, je sais pas trop. Si je mets cela là, j'en ai là. J'en ai sorti plusieurs. Celle-là, là. Peut-être mon bouquet, il faut que je le fasse là. Donc, gardez ça. Mon petit bouquet dans les dentelles. Puis, je vais peut-être le mettre là. Comme ça. C'est pas trop mal. Donc, bah, faut que je les colle. Mais alors, je les colle avec quoi? C'est tellement fin que coller avec celle-là. Donc je dis celle-là, je le mets là. Je sais pas si ça va tenir là-dessus. Sur la dentelle. Sur le papier, c'est sûr, mais la dentelle, celui-là. Donc, j'ai dit que celle-là, je vais la mettre là. C'est pas trop mal. Enlever un peu la colle. Voilà. Comme ça. Celle-là, je vais le mettre là. Petit et voilà en dessous. Vous prenez quoi comme colle pour coller ces petits bazars là? C'est vrai que je ne sais pas trop. Voilà, bon, déjà ça, hein. C'est déjà bien. Après, je vais faire un bouquet de fleurs, hein, évidemment, c'est obligé. Donc j'ai sélectionné quelques fleurs. Donc je dis peut-être que je vais les mettre là, à ce moment-là. Pas que je cache mon fond. Mon autre fond, là. Donc ça. J'ai découpé aussi des feuilles. Là. Là, ces feuilles-là. Il faut que j'essaie de mettre ça, les feuilles avant. Là. Je vais peut-être découper un peu les tiges.
celle-là aussi. Donc, alors, j'ai dit, si je mets mes fleurs là, je vais mettre mes tiges. On va coller juste la boule, la queue de la tige. La queue de la feuille. Voilà. Déjà, par exemple, une là, comme ça. J'en ai trois. Va mettre là, celle-là. Puis l'autre, on va le mettre. On va le mettre là. Voilà. Donc, alors après. Ah, j'ai dit que j'allais peut-être mettre ça. Bon, si j'en mets un là. En dessous. Ça comme ça. Une fleur là. Là c'est comme ça, c'est pas mal ça comme ça. Donc celle-là. J'en mets une là. Une là ou une là. Non, non, j'en mets pas. Ça me plaît pas. Par contre, j'ai des petites feuilles là que je vais peut-être mettre, qui m'a resté de l'autre jour. Ceux-là, par contre, je vais les mettre. Avant de mettre mes fleurs. Donc là, on va en mettre une là. Une là, puis l'autre, je vais la mettre là, comme ça. Voilà. Donc, maintenant, je vais mettre les fleurs. Donc, je vais mettre les grosses. J'avoue, je mets beaucoup de colle. Celle-là, j'ai dû la mettre. Je vais la mettre là. Voilà. Celle-là, elle va aller là. Je me rachète des fleurs, j'en ai presque plus. Et celle-là, elle va aller là. Donc là, ça en fait trois. Ah ben, c'est déjà bien, ça me plaît bien ça, comme ça déjà. Donc, alors, après. J'en ai mis trois, je vais en mettre une là-haut. Ouais. Voilà, celle-là. Ça va pas, ça. Je vais mettre celle-là. Voilà. Et après, je vais mettre une petite comme ça. Non, celle-là peut-être. Je vais mettre celle-là. Voilà. Un petit nœud aussi. Je vais mettre mon petit nœud. Je voulais mettre un petit nœud. Après, faut que je mette bonne fête maman. Je vais mettre ça là-haut. Ouais.
avec ça. Ou alors je mets maman en dessous. Ah ouais. Ça peut être pas mal. Par contre, je vais peut-être mettre. Si je mets une petite feuille là-haut. Ça. Je puisse mettre une petite, toute petite fleur. Là, je vais mettre celle-là. Je mets ça comme ça. Ouais. Ouais. Je vais coller ça. Je vais coller mon bonne fête. Donc je vais mettre la petite fleur maintenant. Celle-là ou celle-là. Mettre celle-là. Ça va, c'est pas trop mal. Et après, je vais mettre le mot maman. Pour ma petite maman. Voilà. Bon, bah, un petit bouquet de fleurs, des petits cœurs. Pour ma petite maman, bah, j'aime bien, elle est pas trop mal ma carte. Enfin, je la trouve pas trop mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, je coupe déjà ma dentelle aussi. Ça, par contre, c'est autre chose. Oh, c'est pas trop mal, ça va. C'est pas trop mal coupé. Voilà. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Non, je mets rien d'autre. On va faire ça comme ça. On va faire ça. Donc que ça sèche bien avant de l'écrire. Puis je vais lui envoyer assez rapidement. Voilà, bah écoutez, vous me direz ce que vous pensez de ma petite carte. Enfin non, elle n'est pas si petite que ça, mais bon. La carte pour ma maman. Donc, bah écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et puis je vais vous dire à une prochaine. Au revoir.